Dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on va faire le premier donjon. Il crée Block Reach. Oh, du coup, j'ai Reach en plus. Ou ça, par contre, je prends ça. Ça a l'air d'être compliqué, mais super fort. 12. 12. Ouah. C'est normal, ça. Alors, un diamant. Ça, c'est cool. Mais j'ai cherché les stuffs que j'ai récupérés. Ça, il a beaucoup de durabilité. Lent à l'attaque, mais très rapide. Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le Nether. Le Nether modé, voir comment il est fait et tout. Et tout simplement, déjà, récupérer un peu d'obsidienne. C'est parti pour un nouvel épisode. C'est quoi ça? Oh, j'ai un village. On va pouvoir loot un village. C'est parti. Oh, c'est quoi ça? Alors, déjà, nous avons celui-là qui... Oh là là. Alors toi, faire un plaisir de faire des échanges avec toi. Hein. Une waystone. Ça, je ne sais pas ce que c'est. J'ai pas trop envie d'essayer. Alors, nous avons ça. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est? Environment. Wow. Cool, on a encore du compost steel. Je sais pas si c'est plus simple d'avoir du diamant dans ce mode pack, mais j'ai l'impression. Hein. Faudrait que je range les coffres. Ça me soigne encore. C'est si commun du diamant en fait. Ah c'est ça en fait, c'est un creeper. C'est du creeper. Ben voilà l'obsidienne, ça tombe bien. J'ai récupéré 20. La question c'est est-ce que Stalin Gear est compatible avec... l'obsidienne. Oui, et c'est même super intéressant. Je suis à 10 diamants. Par contre, petit problème, c'est qu'en live, il génère pas les mondes. Il arrive pas. Wow. Ok. On va récupérer un peu de quartz. C'est rempli de champignons. Wow, mais il n'y a que des spawns de boss assez... Ok. Un piglin stuffé de diamants. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une forteresse là-bas. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il a l'air d'avoir que un piglin. Un con. Bah c'est une bonne idée, hein. C'est une plutôt bonne idée en vrai. 3 d'armure, c'est mieux. Bon bah c'est mieux, j'ai des bottes en diams. Ouais je suis trop heureux, hein, ça va. Après ça a l'air d'être un biome qui craint pas trop. Il y en a d'autres qui ont l'air plus dangereux. Ça a l'air venimeux, par contre ça me tire dessus. Alors, où es-tu? Ah oui mais il est tout en haut. Il a l'air d'avoir un minerai là. Ça c'est quoi? Crimson Iron Ore. Est-ce que je me le fais? Allez, on croit que ça soit une bonne idée. C'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. J'y réfléchirai deux fois avant de lancer des boss. Oh non, j'ai perdu mon casque. Qui me donnait toute ma vie. C'est pas grave. Il faut que je fasse gaffe pour ma vie là. Parce que 20 PV. Ben, c'est du fer, mais en moins fort que du fer. Ah, en plus fort que du fer. Mais ah, ça donne Fire Respect. Bon, les boss, faut vraiment que je m'équipe plus. Hein. Parce que quand j'ai regardé, il avait quand même 160 PV. C'est pas mal, on peut faire des trucs avec. Oh, oh non, non, non. Peut-être qu'ils ont l'air de s'en foutre un peu. On a vu assez pour cet épisode. Je vais retourner dans l'overworld. Hein. Je vais pas trop risquer là. Je vais faire le tout cam et vraiment améliorer mon arme. Je vais mettre ce casque là. Ça fait très dépareillé. Là, ça fait plus 5 de max PV, plus 11 d'armure. Allez, on va faire une épée de Silent Gear. Je vais faire une épée de base. Hein. Après, il y a ça. Hein. Et celle-là qui est pas mal. Ah bah, ça fait moins de dégâts. Super. C'est parti pour la suite du donjon. Vélocitat, diamant, deux fois, normal quoi. Et c'est intelligent, des blocs de quartz. Ah, ok, voilà, c'est ingénieux parce que ça cache, ça les cache. Oh, et un étage. Platinium, ça vaut le coup. Maintenant, il me faut du diamant. C'est là que prendre la pioche au diamant sans faire exprès, c'est une bonne idée. Je vais pouvoir me faire des bonnes armes en platinium. Voyons voir les stats du platinium. C'est comme de l'osmium. C'est à peu près l'équivalent de l'osmium. Parce que c'est en soft. J'aimerais bien retrouver de l'osmium. Faut que je retrouve mon chemin déjà. Oh là là, oh là là. C'est un caveau maudit le truc. Je tourne en boucle. C'est horrible avec les lianes. Y a même plus de loot en fait. À ce niveau-là, y a même plus de loot. Loot tu y retrouves sur les mobs. À ce niveau-là. Je crois qu'il faut que je descende d'un niveau. Ça a l'air d'être des trucs de niveau infernal là. On va sprinter. Ça, y a le moins possible qui spawn. Oh! Clairement, je prends ça. En plus, il y a Feather Falling 3 dessus. À partir du 3, c'est moins de loot, c'est plus du fight. Mais les loots sont meilleurs, largement. Bon, bah, je crois que j'ai fini le donjon. Hein. La fin était plutôt décevante. Plutôt décevante. Diamant, deux fois. Normal, quoi. J'ai remonté jusqu'à la base. Bon, ben, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai doublé mon nombre de diamants. J'ai une pioche en diamant. J'ai découvert le Nether et tout. Il y a vraiment beaucoup de choses dans cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu avec tout le montage que j'ai fait. Ça fait beaucoup de boulot, ça me prend à peu près 2-3 heures par épisode. Prochain épisode, je pense que je vais faire un peu plus de base. De base. À la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!